Le groupe GFI Informatique, c'est une entreprise de services numériques forte de 10 000 collaborateurs, présent dans 6 pays. Nous sommes à la fois société de services et éditeurs. C'est notre caractéristique qui nous permet aujourd'hui de proposer à l'ensemble de nos clients un panel complet de prestations de services et de logiciels pour répondre à leurs besoins, que ce soit au travers des différentes technologies SaaS, on-premise, en mode hébergé. Nous sommes à même de répondre à l'ensemble des problématiques métiers, puisque le métier de nos clients, c'est notre ADN que de savoir convertir leurs besoins métiers dans nos différentes solutions. Ces solutions, elles sont développées au sein de la branche software, dans le groupe GFI. La branche software, c'est près de 1000 collaborateurs qui travaillent sur 60 produits qui touchent à l'ensemble des thématiques, que ce soit dans le domaine des collectivités, dans le domaine de la RH, donc de la gestion des temps, dans le domaine de l'assurance ou tout autre domaine et secteur d'activité sur lequel nous sommes à même d'apporter des réponses et des solutions. 2015, c'est une année forte en actualité nous concernant. C'est notamment le lancement de ChronoTime, notre nouvelle offre de gestion des temps que nous sommes aujourd'hui très fiers de lancer au Maroc. GFI Maroc est ravi aujourd'hui de lancer ChronoTime au Maroc en présence de toute l'équipe GFI France. Gestor étant la première solution que GFI Maroc Ex-Professionnel System a lancée au Maroc. Ça fait déjà plus de 25 années. Aujourd'hui, il y a plus de 250 clients qui continuent à nous faire confiance. Il y a plus de 3000 badges à travers tout le Maroc, de Tanger jusqu'à Laayoune. C'est une version qui était très très attendue par notre clientèle marocaine, que ce soit au niveau richesse fonctionnelle, au niveau convivialité, au niveau ergonomie. Donc au niveau de GFI Maroc, c'est une activité, la gestion des temps, c'est une activité qui représente quand même 30% du chiffre d'affaires global. C'est une équipe de 17 personnes qui sont compétentes, certifiées sur la solution. C'est très important. Nous avons commencé également à accompagner nos clients au niveau de l'Afrique. Je citerai un client comme Unilever que nous avons installé au Maroc et que nous sommes en train d'accompagner pour la Tunisie, pour l'Algérie. Nous avons déjà des clients également en Côte d'Ivoire. Puis un point très très important qui est attendu, c'est la mobilité. Et là, nous avons vu beaucoup de clients ce matin qui étaient ravis de pouvoir justement utiliser la mobilité, que ce soit dans le secteur comme les pharmacies où vous avez donc des représentants à l'extérieur, que ce soit des secteurs comme les télécoms. Donc les gens peuvent, je dirais, faire des saisies, des demandes à partir de leur smartphone ou à partir de leur iPad. Donc c'est toutes ces nouvelles technologies que nous apportons à notre clientèle marocaine tout en sauvegardant justement tout en pérennisant déjà l'activité qu'ils ont, les solutions qu'ils ont, puisque nous pouvons matcher entre les différentes solutions. Donc je souhaite plein succès à ChronoTime au Maroc et au niveau de l'Afrique de l'Ouest également. On a comme client potentiel donc l'OCP. On a installé la première installation en 1999 avec la première version de Gestor au l'an 2000. Et puis on les a accompagnés vers le développement de ce projet-là. Maintenant, on a installé tous les sites de l'OCP. Il y a 5 sites à peu près. Il y a le siège, Bjorf, Jdida, le site Safi, le site Laayoune, le site Khouribga, le site Youssoufia et Bindri. Avec ce compte-là, on ne gère pas que la gestion de temps qui est Gestor, mais on a d'autres logiciels qui sont installés.